Imhotep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on part direction Sommières dans le Gard pour tester une technique de bronzage qui s'appelle le bronzage par pulvérisation. Donc on va bien voir ce que ça donne. Normalement c'est on va faire le visage et le buste et ça tient environ 6 jours, ouais, une semaine. En espérant qu'on puisse filmer. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour tester le bronzage par pulvérisation. C'est ce qu'on appelle la touche. Petite Charlotte pour protéger les cheveux. Ça, hop, c'est la cabine où on va faire les pulvérisations avec bien sûr la machine là. Je suis toute blanche, je vais ressortir toute bronzée. Ça se voit de suite Alors tout de suite vous allez avoir un effet bonne mine, tout de suite, immédiat. Et ensuite dans les 6 heures qui suivent en fait ça va continuer à dorer. Ah oui, si j'arrive, si je couvre les oreilles, je vais avoir les oreilles. Ah oui, moi j'ai fait pareil. Je ferme les yeux. Alors on ferme les yeux. Normalement, sans trop, pour pas faire de plis. Ça va surprendre au début. Hop, voilà. On n'ouvre surtout pas les yeux pendant la pulvérisation. Vouloir ne pas respirer. Apprendre à couper la respiration. Alors qu'on peut respirer, oui, on peut, il n'y a pas de souci. Donc on le fait en 2 couches. Là, on va attendre quelques secondes pour que ça se sèche un petit peu. Je fais une deuxième. Ensuite, on attend 5-10 minutes avant de se rhabiller. Et après, c'est bon. D'accord, c'est très rapide. C'est très rapide. Au niveau du visage et décolleté, c'est très rapide. En 2 minutes, c'est fait. Après, pour le corps, ça demande plus de temps. Quand on veut faire le corps entier, ça demande, il faut compter 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Allez, deuxième. Donc en fait, le produit, c'est un activateur de mélanine. Donc après, il n'y a qu'une teinte, il n'y a pas 50 teintes. Après, c'est en fonction de la personne. Oui. On a tous, en fait, on a tous un taux de mélanine différent. Je vais être différent. Super bronzée alors. Les brunes, les blondes, les rousses, on a tous un taux de mélanine qui est différent. Donc du coup, après, c'est en fonction. C'est tout naturel, quoi. Il n'y a rien qui... Tout à fait. En principe, c'est un produit qui, normalement, qui ne présente aucun danger. C'est fait à base de... alors, il y a longtemps que je n'ai pas révisé. Il y a du colza, je crois, il y a une base de colza, de blé, de je ne sais quoi. Après, la composition exacte, elle leur est propre, hein, il la révèle pas. Il n'y a aucune contre-indication. La seule contre-indication, on va dire, entre guillemets, on essaye d'éviter de faire ça aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans, dans l'absolu. On peut sortir de la cabine? Oui, oui, oui. Bonjour. On verra dehors. Ah, oui, l'effet. L'effet bonne mine. L'effet bonne mine, tout à fait. Voilà, ça y est. Donc, on est le lendemain de la vaporisation. Je ne sais pas si vous pouvez voir, avec ce soleil. Je suis très contente du résultat. J'ai un effet bonne mine qui me plaît assez bien. J'ai été super bien accueillie par Sandrine chez Félin Ongles, à Sommières, dans le Gard, dans le 30. Donc voilà, je suis très 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 contente. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!